Cette vidéo, c'était pas la vidéo de base. C'est une vidéo qui a été modifiée. J'ai trompé. T'es vraiment méchante. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc de ouf aujourd'hui. Je vous raconte, je vous fais vite fait le topo, ok? Beaucoup le connaissent. Il y a quelques mois, quand j'ai fait ORDM, j'ai tourné une vidéo. C'est pas mal. Wow. Ah ouais, vous avez une terrasse de malade. Une vidéo qui m'a valu énormément d'emmerdes, qui m'a mis à peu près tout W9 à dos un petit peu. Il y a peu de chances que je refasse de la télé à cause de cette vidéo. Voilà, maintenant il faudra s'habituer à ce que si on me veut dans une télé, je fasse des vidéos qui ont un rapport avec ça, parce que je fais des vidéos qui ont un rapport avec tout dans ma vie. Maintenant les amis, j'ai fait cette vidéo, ça reste quand même le record de ma chaîne. Mais, il y a un mais. Cette vidéo... c'était pas la vidéo de base. C'est une vidéo qui a été modifiée, dont on a gardé juste quelques bribes. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah ouais, mais il n'y a pas vraiment d'histoire, etc. » Et ben au départ, il y en avait une. C'était l'histoire de moi qui sort du tournage d'Objectif Reste du Monde et qui je me dis « Est-ce que je vloggerai pas ma dernière tentative pour essayer de reconquérir Marine Elimer que j'avais fréquentée pendant le tournage ?» Alors c'était semi-blague, semi-vrai. Marine Elimer, c'était pas un grand coup de foudre, c'était pas la folie. C'était marrant, c'était mignon, c'était une petite relation comme ça. Le problème, c'est que cette vidéo, elle pouvait sortir qu'à la fin de la diffusion de ORDM. Puisque je suis pas un bâtard, j'allais pas la sortir et spoiler le programme. J'ai aucun intérêt à faire ça. C'est pour ça que j'ai aussi pas trop compris pourquoi ils m'en ont voulu, parce qu'elle est sortie après, elle spoilait rien, etc. Elle était donc prévue de sortir cet été, je crois que c'était en juillet ou en août. Cependant, lorsque j'ai voulu la sortir, eh bien, la situation avait radicalement changé. J'étais alors avec Victoria. Je lui ai demandé, écoute, est-ce que ça te dérange si je poste cette vidéo? Et en fait, rien que le fait que je lui ai demandé, ça a créé une des plus grandes disputes de notre histoire. Je n'allais pas mettre ma relation en péril pour une vidéo YouTube. J'ai attrapé Vincent, mon stagiaire, et je lui ai dit, écoute, on va trouver une solution. On va faire un genre de teaser où on met juste des petits moments en off, après le tournage, à l'hôtel, et où on a déliré ensemble. Du coup, j'ai modifié la vidéo. J'étais un peu triste. Maintenant, les amis, la situation a de nouveau changé. Pour mon grand désespoir, mais bon, je suis bien obligé de m'y habituer. Je suis plus avec Victoria. Et du coup, cette vidéo, je me demande si vous la méritez pas un petit peu, quoi. Je suis de nouveau bien, je repasse du temps avec mes amis, je reprofite. Quand j'ai Goldman Paul et Vincent qui sont là avec moi pour bosser, on se repaye des bars. Voilà, je suis plus en déprime, j'y pense, hein, tous les jours. Peu importe. En tout cas, cette vidéo existe. Et du coup, je vous présente avec... un immense honneur, la vidéo de ma reconquistada de Marine Elimer, c'est maintenant. Mais juste avant que ça commence, alors ce que j'aimerais vraiment que vous fassiez, c'est que juste vous fassiez pause, vous alliez mettre un petit pouce bleu, vous activez la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos et vous souscrivez à la chaîne. J'essaye d'atteindre 1 million et j'adorerais que ça soit fait avant le nouvel an. Ça va être très très difficile, mais je vais essayer. C'est parti, ça passe qu'on va se mettre. Ils nous ont mis dans la même chambre avec Hilo. Reconquistada. Tu as marqué ça? Du coup. Oh, c'est trop beau. C'est pour faire pardonner d'hier. Pardonner de quoi? Bon, elle est pas là, je le bois. Elle est sous la douche? Ah. Non, on n'y va pas. Je vais chercher. Oh, pardon. Merci, Bastos. Je t'en prie. Marine, t'es visible? T'es nulle, t'es pas nulle? Je suis avec Bastos. Il t'a même un petit jus d'orange. Arrête de filmer, j'ai une gueule. Putain, mon jus d'orange. A plus tard, à tout à l'heure. Bon réveil. Oh, les points que je viens de marquer. Isabeau, je te donne un cabo pack cap. Là, tu vas dans ta chambre, tu vas voir Marine. Et tu lui dis, vous étiez quand même mignon avec Bastos. C'est quand même dommage. Vous étiez genre vraiment le couple goals. Ok, mais faut que tu filmes en cachant. Non, non, tu vas le faire. Tu me diras ce qu'elle a dit, tu reviens me faire un débrief. Là, je suis en train de marquer des points à une vitesse vertigineuse. T'es vraiment méchante.
T'es très belle ce matin, Marine. Merci. T'as bien goûté. T'es toujours très belle. Merci. Bon, à toutes. Oh, la reconquistada que je suis en train d'amorcer. Ok, je vais te le chercher. Tiens, mon bébé. Mon bébé. Conquistada. Marion, ouais. Est-ce que je peux compter sur toi pour me faire un débrief de ce qu'elle a dit quand elle a vu le mot? Oui. Non, tu vas pas la filmer. Ah si, tu peux la filmer. Non, mais tu veux la vraie dans le sens que je te dis la vérité. Ah bah oui, je veux dire que tu me dises la vérité, même si elle est pas contente, tu me le dis. Hein. Ah oui, remarque, tu pourrais la filmer en train de le voir. Ça, je pourrais. Mais ce serait peut-être une trahison. Essaye, s'il te plaît. Si tu y arrives, essaye. Et puis comme ça, après, j'ai même pas besoin de débrief. Et puis elle va pas du tout te demander pourquoi je la filme en train de regarder quelque chose. Ouais, mais c'est pas grave. Non. Tu la filmes, tu vois, tu la filmes un peu en cachette. Bien et filme-la à l'horizontale, c'est très important. Moi, je préfère à l'horizontale. Je préfère Marine à l'horizontale. C'est tout mon cœur qui repose sur tes mains. Ouais. Si ça se trouve, ce soir, je suis en couple, grâce à toi. À mon mariage, tu seras invité, en tout cas. Ah, ça me fait plaisir. Bonjour. Fais doucement, quand même. Je peux te faire un bisou? Non. J'annonce que je suis en reconquistade. J'ai écrit quoi, Mila? Alors, tu m'as... J'ai quand même DM Mila, hein, attention. Non, mais ça va, c'est soft. Tu m'as écrit en 2019. Et ensuite, tu m'as dit que tu viens quand tu veux sur ma chaîne YouTube. Je kifferais te recevoir si tu passes à Paris. C'est chaud, c'est bien. Qui? Quel chien. Mais ça va, c'est mignon. Bah, ça va, ça n'a rien à voir. C'était professionnel. Qu'est-ce que tu penses de ma reconquistada jusqu'à maintenant? Écoute, je pense que c'est mignon, mais que tu es très ambitieux. Bah ouais, mais c'est comme ça, hein, dans la vie, il faut être ambitieux. Ah oui. Ah oui, bah oui, je suis d'accord. Bien j'ai sûr. Besoin de toi, Isabeau, j'ai besoin de mettre toutes les chances de mon côté. Bon, Marine, elle veut pas m'ouvrir. Est-ce que tu n'iras pas toquer et faire croire que c'est toi? Ok, c'est okay, où? Ok, merci, ça me va. Chut, il faut que je parle. Marine! Bastos, le gros loup, il est parti se coucher. Mais ouvre-moi, c'est Yo. Je suis rentré! Non, Bastos! Oh, le non. Oh là là! Putain, on l'a eu! Bravo, Hilo! À ce rythme-là, je pense que je vais pécho jamais! Disons 24 heures pour pécho Marine. Est-ce que tu penses que c'est possible de là où on est? Impossible? Genre, tu mises zéro? Genre, zéro, ouais. Est-ce que tu penses que j'en suis capable? Oh non. Ouais. Je m'en fous, je la fais quand même, ma reconquistada. Petite Juju, oui. Il me reste une journée, il me reste la journée de demain et la nuit pour réussir le grand chelem, pour réussir ma reconquistada, pour aller tutoyer les étoiles, pour que jamais on oublie le nom de Bastos, pour repêcher au Marine. Mais est-ce que toi, tu penses vraiment que là, avant que tu partes, tu vas y arriver là? C'est dur. Moi, je pense pas. Toi, tu penses que c'est impossible? Vraiment, tout le monde pense que c'est impossible. Ouais. Moi, j'ai une idée. Dès que tu arrives à avoir un moment, tu lui parles seul à seul. Voilà, exactement. Il faut que je lui parle. Il faut que je lui parle seul à seul. Il faut pas que j'aille dans sa chambre. Parce que si je vais dans sa chambre, elle va croire que j'ai envie de faire la bagatelle. Ouais, et moi, je ne fais pas les bagatelles. Ce que je veux qu'elle comprenne, c'est que genre, c'est elle que je veux. Son cœur. C'est son cœur que je veux. Pas son cul. Exactement. Merci, Jou. Elle pense que toi, t'es sur l'humour. Ouais, il faut vraiment pas que je la loupe quand elle va se coucher, en fait. Tu vois, il faut que j'aille, je sois avec elle et qu'on discute un peu. Limite qu'on se pose, tu vois, dans le jardin et qu'on discute un peu. Ouais. Si là, vous arrivez à vous rapprocher, et ben, en fait, ton vol, il va changer et tu rentreras pas en France. Ah non. Moi, je vais pas à Dubaï. Hein. Ah non, si elle veut venir en France, elle peut venir en France. Notre pays, c'est la France. Moi, je vais pas à Dubaï, dans le pays des sans-âme et des gens qui ont vendu leur âme pour l'argent. Non, non. Mais la seule chose que j'ai à dire, c'est ce qui va se mettre. Les amis, donnez-moi de la force. Cécile, tu penses que genre demain soir, je peux avoir la petite table au fond du jardin avec des bougies? Sans aucun problème. Oh, ce que je vais mettre. Je vais voir avec le personnel de l'hôtel pour m'organiser ce petit truc. Marine, viens t'asseoir à côté de moi. Non, il va me coller, lui. Mais pas du tout, n'importe quoi. J3, c'est le troisième jour et je suis toujours aussi bredouille qu'elle bredouille. Non, c'est moi qui suis bredouille. Je suis aussi bredouille qu'elle bredouille. C'est un échec. Je viens de faire une percée de dernière minute. J'en reviens même pas. Je suis comme un fou.
Bon, il y avait le cheval, j'ai dit, est-ce que si je monte le cheval, je suis ton prince charmant? Elle a dit ouais, j'ai monté le cheval, j'ai fait deux tours de piscine et elle m'a fait un câlin. Et je pense que ce soir, elle revient pour la petite fête, juste pour moi, juste pour me voir. Oh, je suis chaud, ce qu'on va... Tu vas partir où? Tu vas me laisser tout seul? Ouais, toi. Tu vas me laisser single and ready to mingle? Ouais. Oh non, c'est moi qui vais te monter tes valises. Est-ce que je suis ton prince charmant? Non. Pourquoi? Je sais plus quoi faire, franchement, j'ai tout essayé. Oh, voilà, c'est bon. Marine. Ah, ben, non, mais dis-moi ce que je dois faire. C'est foutu pour moi? Oui. Pour la vie? Il enlève son piercing du nombril et il va le jeter dans la piscine. Et en échange, elle m'a promis... Une galoche, un gros gamelage. Non, je veux pas du tout qu'elle me promette des galoches. Les galoches, elle le fera quand elle aura envie. Mais elle m'a promis que ma poésie, elle la balancerait pas dans le groupe. Mon rayon vert, mon aurore boréale, ma petite fleur. Je veux être ton colibri, ton étoile, ton battement de cœur. Peu importe les obstacles, les distances et les heures. Même s'il faut plier l'espace-temps en douceur, si vraiment t'es un âne, au moins t'es mon âne-sœur. Wow. Très beau. On aime. Lourd, oui. Nico. Très lourd. Fraté, tu es incroyable. Le truc de l'âne et de l'âne-sœur, c'est pas incroyable. Mal. Incroyable. Je te jure, j'aurais jamais pensé. Je t'aime, mon frère. Je sens que tu es sincère. On va t'aider. Tu as été incroyable. Oui, s'il te plaît, allez. Oh. Wow, il l'a fait. Oh, c'est quelqu'un, ce mec. Oh, il la kiffe. Bon, elle lui a dit, je te fais un bisou si tu fais 70 pompes. Et l'autre, bien sûr qu'il y va. 68, 69, 70. Bon, bah, mais... Je vais même pas te le faire, je vous aime. Non, Marine, dis un smack. Non, Bastos, c'est... Bon, c'est déjà bien. Bastos, ITV, à froid, J29. On attendait le retour de Marine. Elle est pas venue ce soir. Qui est parti dans un hôtel de partenariat, qui devait revenir, qui a donné sa parole. Ouais, avant de partir, elle m'a dit « je te promets, je reviens ». Vous aviez passé un cap, en fait. Ah, elle a commencé à te prendre au sérieux et à te faire confiance. On a passé toute l'après-midi collés l'un à l'autre pendant toute l'après-midi. Ben, moi, j'ai senti, voilà, il y avait ce petit truc en plus que tu sens, en fait, chez les gens qui vont se mettre en couple. Et ben, je l'ai senti. Moi aussi, je l'ai senti. Mais elle n'est pas revenue. Elle s'est habituée à mes petites attentions, c'est vrai. Tu es super sympa avec elle, tu es adorable. Tu lui as montré ce que tu voulais, tes bonnes intentions. Là, elle veut te titiller, savoir si c'est juste pour YouTube. Si c'est sincère, je te le dis, je mets ma main coupée. En tout cas, je réponds plus. Là, je lui donne pas de nouvelles pendant un moment. C'est dur, on est pareil. Quand on kiffe, j'arriverai pas. Oh, voilà. Ça fait mal, l'amour, je te jure. Ça fait du bien comme ça fait mal. En fait, j'ai vu Marine s'ouvrir un tout petit peu plus ici. Parce que tu lui apportes de l'attention et une femme, elle a toujours besoin d'attention et de passer pour une princesse aux yeux des autres filles. C'est-à-dire, ça passe par des compliments. Tu es belle, ta coupe te va bien, ouais. Tu sens bon. Mmh. Tu vois, c'est des petits trucs à la con. Je pense que je l'ai fait se sentir spécial pendant ces derniers jours. Exactement. Là, elle rentre de son côté. Toi, de ton côté, si tu veux avoir une chance avec elle, ne lui crie plus. Et dans les 72 heures, note la date, note l'heure. Vas-y. Dans les 72 heures, elle va t'envoyer. Bastos, tu es bien arrivé. En plus, elle vient à Paris dans quelques jours. Exactement. Ok. Parce qu'au final, ça va lui manquer. Toi, tu l'aimes bien. Je sais qu'elle t'aime bien. Et elle, elle a peur que ce soit que pour YouTube, par exemple, comme ça, une vidéo. Tu as marqué ça ? Marine, tu manques. Ça te fait plaisir? Non, parce qu'il s'est pris un peu tard. Comment il s'est jeté avec toi? Il a un don de voyance, je pense. Il fait attention à toi et à ce que tu fais. À vous, ça te touche. Oh là là! Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous comprenez pourquoi elle a été tournée. Vous comprenez le truc. Franchement, c'est une des vidéos dont je suis le plus fier de toute ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous. La première version m'a attiré des problèmes. Celle-là, bon bah c'est juste une autre version, donc je pense pas que je vais douiller. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, oubliez pas. Mettez un pouce bleu, activez la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos et puis souscrivez à la chaîne, peut-être 1 million avant le nouvel an, 1 million en 2021. Ça serait vraiment incroyable de votre part. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à 2 ou 3 jours sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.